On est maintenant à Renan, chez La Nébuleuse. On vient de brasser et terminer le brassin qu'on a fait en collaboration avec les Trois Dames. On a donc brassé 1500 litres de mou, chaud, qu'on transfère maintenant dans les cuves derrière moi, qu'on garde chaud donc. On va transférer 500 litres par cuve, qu'on va ensuite balader dans les vergers de la région. Ici à Lamont, au domaine de la Percherie, chez Dominique Streit, on s'est arrêté parce qu'ici on cultive des kiwis. Et puis ça nous a intéressé de nous arrêter dans ce verger pour récolter des levures pour notre fermentation spontanée. Après l'étape évidemment chez les kiwis où on a essayé de récolter des levures qui poussaient sur la peau des fruits, on va essayer de récolter pareil les levures qui poussent sur la peau du raisin et évidemment les levures qui sont utilisées pour la production du vin. Pour aller rechercher tous ces ferments, j'ai proposé qu'on prenne la bière en passant par une pompe, de le mettre un moment dans la cuve pour qu'elle puisse bien prendre tout ça tranquillement. Et après, on va remettre dans le tonneau de transport où l'élaboration finale se fera dans les lieux adéquats. On va laisser tranquillement la température baisser jusqu'à une vingtaine de degrés cette nuit. Et demain, il y a mon collègue Jordan qui va mettre ce mou dans la foudre qui est juste derrière moi. Puis ça va devenir de la bière acidulée. Et il y aura trois bières différentes.